Une minute. Ma hype monte. Enlevez vos mains de votre caleçon, les gars. C'est spot là. Arrêtez. Ah oui. Oh. 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 Non mais c'est une dinguerie en fait. Cette action là juste elle est épique. Oh putain oui.
Oh, les souvenirs de Battlefield 3. Oh là là. Battlefield 3. Mais oui. Mais limite, le trailer, c'est un trailer communautaire, en fait, qu'ils ont fait. Il y a trop de refs. Il y a trop de références, hein, dedans. Oh. Mais... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh si, frère. Franchement. Oh là 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 là. Y a trop de rêves dans tout le trailer. Je suis vraiment trop hype, j'ai vraiment trop hâte de voir le gameplay, de le tester et tout, putain. J'avais la chair de poule pendant toute la première diffusion, c'est ouf. Oh là là, non mais c'est ouf. La vérité, c'est ouf. Et cette scène, putain. Juste pour rappel, le 12 juin, nous avons l'Ubisoft Forward, hein, qu'on va suivre pour voir un petit peu ce qu'il y a du côté de chez Ubisoft. Mais le 13 juin, on a un trailer de gameplay pour Battlefield 2042. Ouh là 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 là, on va être là, ça sera en live aussi, on sera là, vous inquiétez pas. Hein. Je vais faire ça en live. Hein. Là, au début, c'est pareil, hein, t'as quand même une ref en vrai. Ça, c'est clairement une ref à Dama Van Peek, hein, quand on sautait comme ça en haut. Hein. Là, quand on sautait tous, vous vous rappelez? Sur BF3, c'est clairement une ref là. Hein. On saute tous comme ça. Voilà, on voit la wingsuit. Ça, je sais qu'il y a certaines personnes au niveau des chiens robots qui vont avoir un petit peu peur de ça. Moi, perso, ça me dérange pas tant que c'est bien équilibré. Ça reste. Et franchement, aujourd'hui, l'armée se focus déjà dessus, hein, sur ce genre de robot. Hein. Donc, c'est même pas si futuriste que ça, tu vois. T'avais peur du côté futuriste, mais ça va en vrai. Mais c'est pas vraiment futuriste. C'est vraiment moderne plus entre guillemets, tu vois. Et au niveau des armes, attends, voyons voir. Au niveau des armes, on a quoi? C'est pas vraiment futuriste, hein. Non, regardez, ça c'est un shotgun classique. Si on dirait le shotgun de Smoke, c'est un 870, c'est ça, hein. Une M4 peut-être, je sais pas. Peut-être une M4. Autour des flashlights M4, on dirait une genre d'AK, peut-être une AN74, un truc du genre. C'est pas futuriste, hein. C'est clairement pas futuriste, hein, les gars. C'est quand même trop stylé quand il saute comme ça. Hein. Et ouais, effectivement, ça rappelle un petit peu nos chars canals sur BF3. N94, peut-être, ouais. Ouais, c'est un truc comme ça, hein. Le retour des plaques. Si vous vous souvenez, sur BF3, on avait les dog tags. Quand on cutait quelqu'un, on récupérait sa plaque. Voilà. Voilà, voilà. Et ça, c'est clairement... C'est une greffe à BF3. Ils remettent, en fait. Ils remettent. Ça, c'est bien. Aéroglisseur, c'est pas futuriste non plus. Dire un peu Fast and Furious, ça. C'est pas russe comme hélico, ça, les trucs à double hélice, là. Ça, c'est un petit Little Bird. Le quad, on est d'accord que c'est le même que sur BF4. Je dirais vraiment le même, pour le coup. Un peu plus blindé, j'ai l'impression. Ouais. J'aime trop la musique, en vrai, c'est trop stylé avec la musique. Cette map à la sortie, en mode guerre totale, conquête et percée en 128 joueurs. Les gars, cette scène, vraiment... Cette scène, bordel, vraiment. Je m'en lasserai pas, hein. Oh là là. Ah, c'est beaucoup trop Stylax. Ah, c'est beaucoup trop Stylax. Est-ce que c'est un Apache? Oui, si, j'ai l'impression que c'est un Apache, lui, hein. J'ai l'impression que c'est un... ça, c'est un médic. Là, lui, juste sur la gauche, là, c'est un médic. Et il a un DMR, j'ai l'impression. Ou un fusil d'assaut. Un fusil d'assaut ou un DMR. Ça, c'est quoi? Vous avez une idée de ce que ça peut être? Un brouilleur, ouais, ou une balise de réa, je sais pas. Ouais, on dirait une antenne de quelque chose. Bon bah il a dégagé. Le Little Bird apparemment il est en plusieurs versions parce que là tout à l'heure on l'a vu avec des miniguns et là il est avec des roquettes. On a un sniper avec une... Ah il a une vision un peu spéciale. Ouais alors est-ce que c'est qu'un skin? Et lui c'est clairement un sniper, hein. Là on voit bien son arme. La tornade qui arrive. Alors la tornade, moi il y a juste un truc. Autant la tornade ça peut être bien comme ça peut être ultra chiant. Ça j'attends de voir. Parce qu'une tornade qui vient te casser les couilles à chaque game. Je sais pas tenir si tu te souviens mais genre sur BF4 la map où tu devais péter une éolienne pour faire venir un bateau et déclencher une tornade. Oui. Fallait le faire. Oui il fallait le faire. Mais si là ça vient tout seul, ça peut devenir vite très très chiant. C'est à voir. Encore une fois pour le moment c'est pas du gameplay qu'on a là. Ça c'est le soutien ça du coup. On a une putain de batteuse là. Donc là, c'est obligé, c'est le support. Ah, ce petit machin là, la petite roulotte là. Oh là là. En vrai, c'est stylé quand même. Hein. On dirait un 552 commando. Non ? Ah, peut-être pas, non, peut-être pas. Ah oui, c'est pas une UMP du coup ça, effectivement, c'est pas une UMP. Et bah voilà les gars. Et bah voilà. Mais franchement, le trailer est dingue. Le trailer est dingue. Bien mieux que celui de Battlefield 5. Voilà, je vous donne rendez-vous les gars, le 13, n'oubliez pas, on sera là. Hein. On sera là le 13 en live pour voir justement le gameplay à quoi ça correspond. Je vais vous sortir une vidéo récapitulative de...
tout. Il y a beaucoup d'informations, donc je vais tout vous donner. Il y aura tous les liens, il y aura toutes les infos dedans. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis hype plus pour ce Battlefield. J'ai vraiment hâte. On se retrouvera du coup le 13 juin pour la suite. 13 juin, les gars. 13 juin, on aura du gameplay. Et le jeu sortira le 15 octobre pour ceux qui ont l'édition EA Play Pro ou l'Ultimate Edition. Et sinon, ce sera le 22 octobre. Sur ce, je vous fais des gros poutous, des gros bisous. Je vous laisse une dernière fois avec le trailer. Profitez bien.